Yo tout le monde, c'est Neymar Rochine. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité spécial, mon chat. Ça lui a fait flipper visiblement. Tu voulais pas qu'on interpelle. Elle touche pas un pain au chocolat. Bref, on se retrouve sur Métro pour notre cinquième épisode après le jeu d'Orsini où nous défendions vaillamment le Reich. Les gens, parce qu'il a fait flipper. Peut-être parler trop fort d'un coup, ah, ça l'a fait flipper. Ça y est, plus la voir pendant 10 secondes. Attendez, oh, quand même, hein. Ça va 50 euros. Maintenant. Alors, chapitre. Bon. Alors, oui, ça, Bolshoi Corbut Révolution. Je l'ai fait en vidéo. Ça va pas caillé, hein. Je vais toujours recommencer. Ça me fait un peu les morts. Je vais refaire les trois comme j'ai fait. Donc Bolshoi et Corbut. Il se passe pas grand chose. Révolution, c'est plus intéressant, mais. Voilà. Alors Révolution, c'est après avoir fini Corbut. Et c'est Corbut qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Là, c'est Bolshoi. Donc le Bolshoi, c'est. Le théâtre, voilà, là où il y a les rouges, donc comme dit. Le but c'est qu'on est dans une station rouge et on est un ranger. Les rangers et les rouges sont pas trop copains, mais le but c'est que Pavel nous fasse passer. Car on est à une heure de police, comme on peut voir sur la carte. Regardez. On peut voir théâtre et en dessous on voit un petit truc avec 4 ronds et c'est police. Voilà. Et donc vous voyez que c'est assez proche. D'accord. C'est cool d'y être quoi. Je suis désolé, mais c'est dangereux ces temps-ci. C'est dangereux, c'est dangereux. Alors, on n'a pas les armements, hein, c'est des bâtons un peu badass. Et nous, on est à poil, quoi. Pas vraiment à poil, mais quand même un peu, quoi. Putain. Voilà, j'essaie de combler le bruit pour parce que je suis en doigt un paquet de temps, voilà, et que c'est pas très. Voilà, voilà. Bon, on y va là, hein. on avance, hein. Attention. Je fais souvent la caméra parce que j'adore voir mon retour dans la caméra, voilà. Allez, laisse-moi passer, Marcel. Ils ont tous des t-shirts. De marins sous le métro, il devait y avoir plus que ça. Genre, devait y avoir une usine de t-shirt Marcel au-dessus du métro. Et donc, je suis retrouvé avec ça. Tous, on a un peu chier parce que je trouve ça très très communiste. Oui, c'est nous. Allez, entrez. Attendez. On va faire quelques achats. Alors, lui, si vous voulez faire le succès rédemption, ou c'est un. Vous faites gentil tout le long, pas du tout, mais je vous donne un sou. Et ce sou. En fait, je m'en fous, hein, dans le contexte actuel, je m'en fous. Moi, je vais garder notre argent pour acheter des balles. On va acheter une troisième arme. Ah ouais, alors. Je sais pas si je veux vraiment acheter une troisième arme parce que la dernière fois ça a bugué. On va éviter, hein. On fera cette tentative la prochaine fois qu'on fera une escale. Donc, en plus, le fait que j'ai déjà pris, j'avais déjà pris encore une fois avant. Jusque là, au Bolshoi avant que ça crache. Donc là, on va attendre Pavel. Oui, eux ils font la queue, puis maintenant on va passer direct par là comme des beaux barrages. À tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laissent rentrer dans le théâtre. Ok. Bah, bonjour. Tu peux boire n'importe où. Allez. Il fait peur, lui. Montrez-moi vos billets. Attention, sa gueule. Vous avez entendu. Allez, bon.
Allez, on y va. Bon, Stanislavski, tu peux regarder le spectacle si tu veux. Il m'a appelé, Stanislavski. Si vous êtes prêts, le French Cancan. Non, on va pas aller au spectacle parce que c'est chiant, c'est dure une heure, ça sert à rien. Ouais, là, on peut voir, c'est intéressant, je veux dire, un bon teasing qui commence par French Cancan. Il me change de pas et tout, c'est l'air bien. Et c'est pourri. Et après, c'est des concerts. Mais c'est que d'un cheval longtemps, on attend qu'il n'y ait pas belle. On profite pour mater des. Boobs. Boobie. Moi aussi, je vais faire le spectacle. Mon go. Artyom, alors, t'as apprécié le spectacle? Allez, ah oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Wow, mais c'est quoi ces coupes de cheveux post-apocalyptiques là? Ah, on s'en fout un peu de sa tête. Hein. C'est réaliste. Ah, elle est pas mal. Ce qu'il a sur la tête, c'est un truc. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. Pas vraiment, non. À ton avis, encore une guerre. On dirait que c'est le propos de notre repérage. Oh. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons. Ouais, mon gars, allez. On ferait bien d'y aller. Allez, buvons, mon gars, on va boire là. On est chaud, on boit. Et voilà, deux de nos spécialités. Attention, on va boire un verre qui ne se vide jamais. Wow, c'est génial. Allez, à la nôtre, Artyom. Allez, là, il n'est pas rempli de vase et personne ne le remplit. Et en plus, sur la ligue, il ne se vide jamais. Le mec va boire sans souci, ça ne se vide pas. Fantastique. C'est un délice, pas vrai? On est bien ici. Tu viens d'en être bourré. La maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro. Les gens racontent un tas de conneries sur la ligne. Ils disent que c'est horrible, qu'on crée la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. C'est un peu vrai. Hein. Moi, j'ai des petites studios de cours d'histoire communiste, mais c'est pas le truc le plus sympathique. Genre, quand on dit, oh bah Staline, c'est un salaud, qui te blague un peu moyen, bah ça se passait moyennement aussi. Hein. Une idéologie, mais on est organisé et tout est partagé. Nourriture, médoc, carburant, abri. Y a pas de riches, c'est vrai, mais pas de mendiants non plus. Ah mais pas de riches. Moi, je veux être riche. Moi, c'est sûr, je suis riche, je suis rien. Allez. Hein. Bois un verre. À la tienne. Allez, on boit un verre. Waouh, c'est une merveille. Ouais, une merveille. Regarde dans les stations, ils se bouffent entre eux. Regardez ce gars là, sur le côté là. Là, je le sens pas là. Regardez l'escalier. Pas mal, sauf qu'on va regarder en direction de l'escalier, vous allez comprendre. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. Et toi, pas mal. Mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Ouais, avec tes rouges, t'es rouge, c'est bien. La discipline. C'est bon, j'ai assez bu, je veux plus voir Artyom. Non. Non. Allez, Artyom. Non. Allez. Je veux pas boire. Regardez sur la gauche. Regardez. Voilà. Comment ça se passe. Voilà. Je fais juste mon regarde, c'est remarché de fumer sa clope au tout début de l'entrée. D'ailleurs, lui aussi, on dirait le mec qui nous a accueilli pour faire rentrer le théâtre. Là, oh, comment il a lâché son arme quand il a fait le salut, genre, il a fait. Je crois qu'elle a changé de main et leur petit beau gosse quand même. Eh mon gars, tu t'es fait droguer, tu t'es fait droguer, il s'est fait droguer. Et c'est mal passé. Trahison. Parce que voilà, on va le faire directement. On pense qu'en fait t'es mon ami. Oh. Oh, tu me touches pas gros. T'es plus pour qui mon gars de mots, t'as plus ta club, tu te sens mal. Hein? Un bande d'autres. Eh, ils me tiennent même pas les mains, regardez leurs mains s'occuper. Je peux leur piquer. Je pourrais lui piquer son gun. Ta, je le dirige dans son balle.
Pas, mais j'irai pas très loin. Oui, chef, le camarade Moskvin est là. Il inspecte les trous. Le secrétaire général est ici. Le camarade. Donc, Moskvin, c'est le chef des chefs, c'est un peu le beau gosse, c'est le chef, ouais. Les choses avancent plus vite que. Et Corbus, c'est le second chef, mais vous allez voir, il y a ambiguïté. De là, parce qu'on a besoin de toi, et que t'as des informations. Alors, je te conseille d'être fort. Ta gueule, pote, pas on est pas mousquetaire, pas mon pote, tu m'as trahi. Arrête de faire genre qu'on est copains là, mais je veux aller en arrière, moi je veux pas y aller. Pourquoi vous me tenez? Tu m'énerve là. C'est rustique. Bah alors, on vous a tué dans le dernier épisode, hein, vous tous là. Oh bah vous faites les beaux, hein. Mais quand on attaquait le règne dans le dernier épisode, et qu'on se faisait poutrer sa maman. Oh bah on avait moins les heureux, hein. Je rigole pas. Oh voilà les méchants. Lepnitsky, ça c'est le gros là, sur le droit, c'est Lepnitsky. Lepnitsky, le bon communiste. Alors Lepnitsky c'est très communiste, mais juste. C'est au début de la série, dans l'épisode 1. Où on s'en va des 6 et ils disent oh qu'est-ce qu'elle a fait Lesnitsky, pas bien, pas bien, oh, il s'est barré. Faisait, c'est un frère. Oui chef, il s'appelle Artyom. Melnik lui fait confiance. Ils ont trouvé des 6 ensemble. Il a aussi gagné plusieurs médailles depuis son incorporation dans l'ordre. Sous-moi ça. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer, camarade Artyom. Oula. Nous avons chacun des choses. C'est mon canaille, mon pote, hein. Emmenez le camarade dans la salle de négociation. Le camarade. Ah oui. Alors, le mot salle de négociation, là, c'est vraiment une salle de négociation, on m'y emmène pas. On me fout un coup, Dakar. Ce mutant télépathe, surnommé le sombre, est d'une grande importance. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est parce que si je savais où il était, je serais. Je sais pas parce que je suis à sa recherche quoi. Un pour tous et tous pour. Et t'as pris cher mon gars, petit beau gosse. Lui c'est le. C'est le. Boss. Un autre ennemi de la révolution. Mais j'ai rien demandé à personne moi. Je voulais juste rentrer chez moi, aller me faire des pâtes. Finalement je me retrouve là avec plein de coco, pas tout gentil. Moi ça. Je suis déçu. Négocier. Je vais vous montrer une méthode de. Ah ouais, moi j'aime bien ces hommes de vérité, hein. Enfin. Non, peut-être pas, parce que au pire, je me prends quelques coups, je me fais rire. Hein. Ah. Je crois que c'est en m'insultant, petit gros, que tu vas me faire peur. Hein. Le mec, il fait pas du tout peur. On est d'accord que le mec, il fait peur à personne. Toujours rien. Ah, j'ai peur là. Hein. Comment tu me fais peur, dis donc, que Jean-Louis. Les mots de oui. Les protocoles d'opération, qu'est-ce que tu fais, maman? Ça s'appelle son fils. Lénien, alors c'est marrant parce que. Quoi? Il implique ses rangs de fer. Ah, bah, il assimile à Lénine. Lénine, c'est quand le communisme c'était encore assez cool, vous voyez, c'était Lénine cool. Après, c'est parti en couille avec Lénine, c'est plutôt un interrogatoire stalinien. Oh, même ton fils il te respecte pas. L'autre il va être le général de tous les cocos. Mais même son fils ne le respecte pas. C'est une vie de merde. Ensuite, venez dans mon bureau. Je vais parler. Je suis d'accord avec Léonide. La brutalité est risquée pour obtenir des informations. Léonide. Ah, c'est qui? Tu sais, ça fait Léonide, ça fait. Lui qui parle de révolution, il s'appelle Léonide, ça m'a pensé à Léonis. Mais je crois que c'est intéressant. Si, je crois que c'est dans 300, mais je crois qu'il y en a qui s'appelle Léonis. Non, je sais plus. Tu fais un parallèle douteux là. Voilà, les petits flashbacks. Bon, on est c'est pas des flashbacks parce que c'est plutôt des allus. Hein. Enfin, c'est plus grand rêver.
Parce que je crois bien que dans le début du 2033 que je vous ferai en let's play, il dit oh, je suis jamais sorti dehors, la première fois que je sors c'est maintenant, blablabla, bla, bla, manger des enfants. Ah, ils le disent, hein. Ah, ils le disent, hein. Ah, non, non, et oh, vous verrez bien. Hein. Là, il est sauvé pour un sombre. Ça lui fait de l'ombre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est drôle, dis donc. Qu'est-ce qu'on rigole, on se tape de ses barres là. On a envoyé un paquet à des très les combats, on va dire. C'était le combat. Vous allez à Venise pour vous occuper des locaux qui ont fait la livraison. Ce ne sera pas un paiement en espèces, d'accord? C'est compris, monsieur. Ne me décevez pas cette fois. La créature a été localisée. Les détails sont dans cette enveloppe. Je veux cette créature. Vous cet animal après votre voyage à Venise. Ne me décevez pas. Ah, c'est le Léonide, donc. Même mon futur. Je préférerais être tué plutôt que d'être comme mon père, qui a tué son propre frère. Ah, sympa. Ça, c'est un. C'est le père dont tu peux être fier, hein, putain. Voilà, entrez là-dedans. C'est le chemin vers la liberté. Oh, c'est pas confiance. Oh, j'ai un handicapé. T'as quand même eu une merde hein, pour que j'ai un déconduit comme ça, putain, avec des petits rats en plus, tu vois. Eh, merci mon gars. Si tu veux me libérer, je vais me venger sur ton père. Hein. Bon, j'ai vu que visiblement t'es même pas ton père. Mais est-ce que t'es prêt à perdre ton père? Il y a une différence entre ne pas l'aimer et le perdre dans sa vie dans ces temps du. Je sais pas. Ah, dans le contexte. Ah, ils veulent parler. Non plus, écoutez. Vous êtes au courant. Je suis le chef de renseignement à propos. Voilà pourquoi vous avez laissé les informations filtrées. Police, Hansa, et même les façons connaissent déjà nos plans. Les rats seront exterminés. Et la guerre est inévitable de toute façon. Inévitable. Petite révélation. J'en doute un peu. Comme le Politburo. Un homme qui doute est un homme qui a peur. Comment est-ce que je vous ai. C'est que tu le convois là à la droite, c'est lui le vrai chef. Le vrai chef, c'est lui le général Plugrat. Mais non, c'est officiellement c'est Corbucci. Visiblement, si c'est ce rapport de force là que c'est Corbucci le chef, c'est parce qu'il a aidé à tuer le frère de Moshvin. Il l'a aidé aussi à devenir. Chef. Ah, attends, un petit bug. Sans circuit de du sang. Soit très rassurant. Hein. Ah, let me explain. J'étais trop loin. Soldat. On vous a confié une mission d'importance. Chaque groupe a son objectif. Et on vous a dit le minimum à savoir pour réussir votre mission. Suivez. N'oubliez pas que cette opération bon. Là, il y aura un peu de faille. Nous sommes dans mon moment où j'ai un champ. Ah, bon, bah, c'est la ligne rouge. C'est là que c'est bien intéressant. Hein. Bon. Alors, par contre, j'ai proposé que je vais tout faire en infiltration. Parce que c'est beaucoup plus simple. Mais vraiment beaucoup plus simple. C'est pas ce que je peux faire. Moi aussi. Ouais, c'est un peu ça, je vais peut-être pas m'amuser à tuer tout le monde, mais. Et des fois, bah, il manque de munitions, il manque de moyens, et puis c'est plus long finalement. On se va aider, faut être distrait, voilà. Boulos. Hop là. Boulos. Bah, qu'est-ce que le boulos? C'est plutôt. Non.
équipé d'un coup. Pam. C'est rapide. Hein. Donc, c'est bien. Je vais la récupérer. Ah, on a ce qu'il y a sur une live. Parce que si on ouvre la porte et qu'on se fait choper, puis c'est le tueur de la lumière. Dans un coin. Ah d'accord, donc là ce qu'on voit sous nos yeux c'est un piège. Je pense que ça fait un peu mal. Mais ce qui lui frappe dans toute pièce. Ah oui, tu sais que j'allais tuer lui en carbone quelque chose. Non, le fort full infiltration. Ah, mais c'est pas du coup, c'était utilisé. Ah, là, il y a des rares. Non, ah, ça c'est con. Cool. Wow. Ouais, en fait, les communes, c'est des métalleux. Voilà. C'est le secret que personne ne nous a jamais révélé. Donc là c'est très simple, la part du temps tout se passe en hauteur. Bon, pour faire l'infiltration il faut y aller, t'as que un passage où t'en as plus, mais là j'ai oublié, là. Non, faut éviter toutes les sources de lumière et trouver des endroits où monter. Par exemple, bah là c'est donc c'est ici. Voilà, bon là c'était assez évident. Ah, t'as quelqu'un là-bas. Les lumières. J'avais pas de silencieux. Oh ben. Je crois que je me suis pas. C'est un des silencieux là, il y a. Merde, c'est quoi, c'est pas en but. Je sais pas si je peux passer là, quand on arrive. Ok, donc on va aller par là. Très bien. Ah, on peut passer. Ok, là on va le suivre, on va le quitter. Voilà. Et on avance. Ok, bon, on va couper la lumière. Là, par exemple, vous voyez, bon, c'est forcément parce que là-bas il y a trop de soldats, c'est normal. Mais... Là, on est bloqué parce qu'il y a un garde, mais normalement, si on suit les logiques, ils vont tous partir et on va pouvoir accéder. Il n'y a pas une deuxième lumière, il tient plus par contre le fait qu'ils soient allumés sur moi. Là je pourrais tous les tuer évidemment, mais déjà je suis en plein milieu, ce serait pas ici, il faudrait partir de là-bas. Et autant y faire un infiltration et pas se faire. Voilà, les lights sont tous partis donc. Donc là toutes les lumières sont éteintes. J'ai vu le gars sur la gauche. Je vois ce que je peux faire de plus.
Bah, finalement, ça a marché. Monsieur, je me suis appelé, il n'y avait rien. Ah, le retour du chat. Les gars, sur son théorie, pour plus ça. Ensuite, bah voilà, c'est ce que j'ai dit, vous coupez, vous montez. J'ai toujours d'être baissé parce que des fois quand on monte il y a un petit bug et ça ne nous met pas tout le temps baissé. Ok. Alors lui soit faut l'assommer, soit il va bouger, mais je pense quand même qu'il va bouger. On va continuer. Ça va toi? Le corps, la lumière vient de lâcher toute seule. Ah voilà. Voilà, on se tient. Attends, là. Parce que des fois, il y a des gens dans le souterrain, c'est comme une fine lumière. Oups, la téléphone fonctionne. C'est pas moi, hein, c'est dans le jeu. Ok, donc on continue. Je vois pas où aller, hein. Là l'échelle. Un bruit. Attention, c'est cool parce que quand vous changez de secteur, c'est les ennemis sont pas en alerte. Hein, je crois. On va voir ça tout de suite, mais là je crois que c'est. Là, ça va plutôt bien, on va essayer tout du premier coup, c'est plutôt cool. Ok. Mais il faut attendre qu'il sépare les. Non, là, il y a une petite lumière, on peut avoir ça. Oui, mais séparez-vous. Vidéo va être un peu longue. C'est pas grave. Bon, il y aura une phase de assez passive. Oui. Voilà, là, on peut y aller. Je pense qu'on peut le tuer, mais on va pas le tuer. On va faire un test. On va juste faire un test. Je vais voir si c'est possible sans tirer une seule balle. Drôle. C'est un peu plus rapide. Bon, il y avait la solution d'extraction, je connais le chemin. Oui, ouais, j'aurais rien dit que c'est ce que j'allais le faire. Je vois qu'il y avait un autre coup. Oh putain. Merde. Parce que le fait que tu sais, s'il y a des gens, je dois forcément devoir les tuer aussi. C'était mastodonte. C'est des mastodontes. Forcément, il va falloir que je les attaque. Pas le choix parce qu'ils allaient étirer des croix à les cadavres de leurs potes. Ok, donc il va retomber sur une pièce qui a pas de jeu.
C'est moi qui mort, c'est ton pote, hein. Je sais pas si elle m'est foutue, mais. Pas vraiment. Là, normalement, c'est avec je crois si on me donne des balles militaires, parce que. Comme c'est dit, les balles militaires font plus de dégâts. Tu vas me le payer, fumier. Attends, moi. Lui, il a pas de masque, lui. Si. Leur non, t'es pas touché, tu es mort surtout, mon gars. Hein. Calmé. C'est moi ou ça leur enlève leur armure? Ah non, je croyais que c'est bien leur enlever sur armure. Bref, bah voilà, on continue. Bon, c'est la fin du niveau. Bon, non, rien. Ils venaient tout à l'heure, ces gros bastions. Ok, donc le coup. Donc là, c'est la fin. Attends, est-ce que ce soit le texte jusqu'au temps de chargement, ça va pas être très loin. Donc j'espère que cet épisode de 30 minutes vous plaira. Moi, comme d'habitude, j'ai un grand plaisir à le tourner. Donc si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce vert. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Attendez, il se passe quelque chose. Oui. Oula! Bon. C'est pas vrai. Oui. Arthur. Surprise. Arthur, disons ce qu'il me connaît, donc c'est bien. Donc bah, je vous laisse, donc salut tout le monde, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bisous, blablabla, bisous. Allez, à la prochaine.